Hey, salut, c'est Major Mouvement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse où j'ai la chance de recevoir Cristiano Ronaldo. Salut Cristiano, ça, ça va bien T'es en forme oui. oh. Alors, je sais pas si vous avez regardé l'Euro en ce moment, mais moi j'ai trouvé ça absolument dingue que Cristiano Ronaldo, à 39 ans, ait ce physique-là et qu'il soit encore sur le terrain en train de jouer contre quasiment les meilleures équipes du monde et qu'il ait sa place en tant que titulaire. Et ça m'a tellement interpellé que j'ai eu envie, pour la première fois sur ma chaîne YouTube, de faire une vidéo d'analyse posturale. Vous savez que j'ai l'habitude de le faire avec d'habitude des invités qui sont physiques. Mais là, on va le faire sans Cristiano Ronaldo. Déjà que ça coûtait un petit peu cher de le faire venir, on va juste faire avec des vidéos d'analyse. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de l'analyser pour comprendre comment Cristiano Ronaldo fait pour être aussi en forme à 39 ans, disséquer un petit peu son corps, ses points forts, ses points faibles, mais aussi savoir ce qu'il y a dans son lifestyle. Comment est-ce qu'il fait pour bouffer, pour dormir et globalement pour gérer toute sa vie pour être au top à 39 ans. Alors je vous rassure, j'attends pas de vous, ni même de moi-même, de devenir comme Cristiano Ronaldo. Mais je pense qu'il y a certains éléments desquels on pourrait s'inspirer, peut-être pour pouvoir avoir une sorte de guide de best practice, savoir ce qu'on peut mettre en place nous aussi de notre côté. C'est parti l'analyse. Alors la chance qu'on a pour l'analyse de Cristiano Ronaldo, c'est deux choses. Bah, il documente quand même une bonne partie de sa vie, donc on a plein de données à analyser, même si parfois certaines données se contestent et se mettent en désaccord, mais on va essayer d'avoir un consensus dans tout ça. Et la deuxième chose, c'est que je vais beaucoup baser mon analyse sur ce reportage qui a été fait sur lui par la chaîne anglaise Sky Sport, où ils ont cherché à tester Cristiano Ronaldo dans ses limites physiques, techniques et stratégiques. Donc dans l'ordre, on va regarder son physique son lifestyle et enfin comment il mène toute sa vie. Et donc si on analyse Cristiano Ronaldo et qu'on regarde tout son lifestyle et notamment comment il dort, il est tout à fait normal que je vous parle de notre partenaire du jour pour cette vidéo qui est Wopilo. Wopilo c'est mon partenaire de sommeil depuis 3 ans. Alors leur mission est de proposer une expérience de nuit unique et sur le long terme en vous proposant notamment des oreillers, du linge de lit, des couettes et même un surmatelas. Je vous en reparlerai plus en fin de vidéo. Commençons par son physique. Alors, si on regarde Cristiano Ronaldo aujourd'hui à 39 ans, on est quand même ultra surpris de voir Cristiano Ronaldo extrêmement musculeux et extrêmement sec. Alors, pour rappel, le football ne nécessite pas d'avoir autant de masse musculaire en haut. Mais vous imaginez bien que quand on est Cristiano Ronaldo, il arrive à trouver ce désavantage et à le transformer en force. En fait, en réalité, ce qui m'a d'abord surpris quand j'ai regardé les tests de Sky Sport, l'un des premiers tests qu'ils ont fait, ils ont comparé sa vitesse de sprint sur 20 mètres face à un champion espagnol de sprint. En gros, il court dans l'axe et on essaie de voir qui court le plus vite. Sans surprise, c'est le sprinter qui bat Cristiano Ronaldo de 3 centièmes. Alors, modulo, deux paramètres quand même, et ça je tiens à le rappeler. Moi je trouve ça exceptionnel de la part de Cristiano Ronaldo de perdre que trois centièmes. Parce qu'il y a deux paramètres quand même sur 20 mètres qui font une énorme différence. Un, ils le font partir sur des starting blocks. Et en fait, partir sur les starting blocks, ça ne s'imprompt pas comme ça du jour au lendemain. Le sprinter, il bouffe que ça. Et la deuxième chose, c'est la réaction au départ. Le sprinter, une fois de plus, 100% de ses entraînements sont dédiés à partir dans des starting blocks à ce moment-là. Cristiano Ronaldo. Peut-être qu'il peut être habitué à partir sur des départs très rapides, mais c'est plutôt sur une passe, donc ça va être sur un stimuli visuel d'une action qui peut se passer parfois jusqu'à 25-30 mètres. Il va voir son collègue faire une passe et c'est ça qui va déclencher le top départ, pas un signal sonore comme un départ de 100 mètres. Et en plus de ça, Ronaldo sur ses départs arrêtés, il n'est jamais complètement à l'arrêt. Il peut être avec, par exemple, les hanches ouvertes à gauche, les hanches ouvertes à droite. Bref il peut être habitué à partir dans toutes les positions, tandis que le sprinter, lui, va partir toujours dans la même position. Donc déjà, imaginez bien que de réussir à être très proche d'un sprinter de haut niveau, dans des conditions qui ne sont pas lesquelles, dans lesquelles vous vous entraînez, c'est déjà stratosphérique. Là où ils sont hyper cool, c'est que Sky Sport, ils comprennent bien la notion de spécificité dans l'entraînement, et du coup, ils vont tester maintenant des courses en zigzag, puisque le football, c'est rarement des accélérations dans l'axe pur et dur, c'est la plupart du temps des appuis cours rapide dans certaines directions qui doivent soit envoyer un message à la défense, soit éviter la défense, soit aller chercher le ballon. Et là, quand il teste la différence, il n'y a pas photo, Cristiano Ronaldo, il explose le sprinter. Alors, je suis un peu dur dans mes propos, il ne l'explose pas, il lui met une demi-seconde, mais quand même, il y en a un, son job, c'est de faire que courir, là où l'autre, c'est de courir derrière un ballon avec une défense. Et ça, ça change absolument tout. Donc, Ronaldo, on comprend qu'il va très vite dans les appuis. Mais si on zoome un petit peu, ce qui est intéressant, c'est le schéma de corps. En fait, on comprend que la vitesse de Ronaldo, la vitesse de pointe, où pendant longtemps il a été le footballeur le plus rapide sur un terrain, avec une pointe à 36 km/h, avant d'être dépassé par Bale à 38 km/h, toujours au Real. Mais là, on comprend que le point fort de Ronaldo, c'est pas seulement sa vitesse dans l'axe, c'est d'être capable de changer rapidement d'appui. L'autre truc que je trouve hyper intéressant, c'est quand ils ont comparé la distance de la foulée du sprinter versus Ronaldo. La foulée du sprinter est beaucoup plus longue que celle de Ronaldo. En fait, ce qui est génial là-dessus, c'est que le sprinter, une fois de plus, sa capacité principale, c'est d'être capable d'aller très très vite. On ne lui demande que ça. Ronaldo, il doit aller très très vite, mais parfois il a un ballon dans les pieds. Donc ça oblige d'avoir une foulée probablement un peu plus raccourcie pour avoir un bon contrôle de balle et d'être capable de moduler sa course en fonction bah, si on a le ballon, si on doit être à la poursuite d'un défenseur, d'un attaquant, à la poursuite d'un ballon et ainsi de suite. Donc ce que je trouve phénoménal, c'est que Ronaldo est hyper rapide mais avec une très grande variabilité de course. Et ça c'est pour moi le truc que j'ai trouvé le plus dingue et c'est pour ça que je voulais le mettre en premier point. On en arrive à son physique. Son physique, Ronaldo, c'est des quadriceps qui sont absolument énormes et des mollets qui sont un tout petit peu plus fins. Et ça, ça ressemble à un bug. Et ouais, vous vous rappelez de ce but qu'il avait mis de la tête avec la juve, où il avait fait un record de hauteur, qui saute hyper haut. Or, la plupart de notre capacité de saut vient des mollets et notamment de notre tendon d'Achille. Alors comment ça se fait que Ronaldo soit capable de sauter si haut avec des mollets, mais des guillemets, qui ne sont pas forcément si développés. Ronaldo n'a pas qu'une excellente génétique. Hein. Parfois, il a aussi bah, des trucs qui font qu'il part avec un peu moins de capacité, notamment au niveau de ses mollets qui sont un peu moins longs et donc ont une moins grande capacité d'élasticité, mais qu'on pense grâce à deux choses, ses quadriceps, mais surtout grâce à ses bras. Et ça, on le voit très bien. Lors de l'analyse de Sky Sports. ils ont essayé de lui faire un travail de détente sèche, les deux mains au niveau de la taille. Et là, il lui demande de sauter. Et ça se voit que Ronaldo, il n'est pas à l'aise du tout. Et quand on voit la gueule qu'il a pour un compétiteur, on voit que lui-même, il comprend pas pourquoi il fait un score qui est si normal. Et heureusement, l'analyse a été réalisée avec un préparateur physique spécialisé dans le football. Ils ont dit, en fait, Ronaldo, quand il saute, jamais de sa vie, il saute avec les mains sur les hanches. Ronaldo, quand il saute, il saute avec ses bras. Et ça, ça va changer deux choses drastiquement. La première, c'est qu'en fait, il utilise ses bras dans sa course et regardez comment Cristiano Ronaldo court. Il court quasiment avec les coudes tendus. Donc, cette masse musculaire qui pouvait paraître surprenante au début de l'analyse, en fait, il court aussi avec ses bras. Regardez la taille de ses grands dorsaux. Le but du jeu des grands dorsaux, c'est d'assurer la transmission de la force du bassin vers les épaules et devinez. Quel autre groupe musculaire permet la transmission de force du bassin vers les épaules Les abdominaux. Et donc, quand on regarde ce couple de forces abdos et grands dorsaux, on comprend que Cristiano Ronaldo travaille autant les abdos et les grands dorsaux, très probablement parce que c'est dans sa génétique, mais ça lui permet de courir vite, de changer régulièrement d'appui, de garder en explosivité et de sauter très très haut. Mais il y a un truc qui est absolument fascinant, les amis c'est que les abdos permettent la transmission de force. Mais ils permettent aussi la stabilisation du tronc. Cristiano Ronaldo, non seulement quand il saute, il saute très très haut, mais il saute très très stable. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. La vraie force de Cristiano Ronaldo, c'est d'être capable de la trajectoire de son corps en même temps que la trajectoire d'un ballon. Et pour ça, en fait, quand il va le sauter, il va fléchir ses jambes pour faire remonter son centre de gravité. Non seulement il va rester très haut, mais il va rester très haut et au même niveau, ce qui va lui permettre d'avoir une marge d'erreur un tout petit peu plus grande pour pouvoir anticiper le vent, une déviation, un ballon qui n'était pas exactement là où il aurait dû être, pour pouvoir placer sa tête exactement sous le ballon et au moment où presque c'est lui qui l'a décidé. Et ça, je trouve ça absolument incroyable. En fait, c'est que il a compris d'une certaine manière que tout son corps lui permettait d'être là où il le voulait. Et c'est là où la troisième partie du reportage, et ça c'est très très rare dans les sportifs, et ça ne se travaille pas à la salle de sport, c'est sa capacité d'anticiper le positionnement de son corps dans l'espace, du ballon dans l'espace. Et quand on le voit frapper dans un ballon, lumière éteinte, ça veut dire que quand la balle va arriver, il sait exactement où elle va être, comment positionner son corps. Ça c'est stratosphérique. On l'avait vu notamment dans les vidéos où j'analysais les sportifs au ralenti, c'est que les sportifs de haut niveau anticipe l'avenir. Ça, c'est pour la partie physique de Cristiano Ronaldo. Mais vous l'imaginez, on ne devient pas Cristiano Ronaldo seulement parce qu'on est un monstre physique et seulement parce qu'on est un monstre sur le terrain. On devient Cristiano Ronaldo parce que dans notre tête, on a switché à un moment donné. Il y a différentes choses qui ont pu expliquer ce qui a fait que Ronaldo a switché. Très honnêtement, je pense que quand on connaît son enfance et ce qu'il a vécu, il a trouvé un élément moteur principal qui a fait que c'est devenu un acharné de travail. Il faudrait presque en parler à un psychologue. Et pour le coup, je vous invite à regarder ce super reportage pour comprendre de quoi il est fait. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment, à partir de cet élément de départ, ce qui a drastiquement changé sa vie, il a réussi à mettre en place certaines choses. L'entraînement, on l'a vu avec beaucoup d'entraînements au poids de corps, où il va viser les abdominaux, où il va viser les obliques, où il va viser les dorsaux, pour comprendre ce travail en chaîne, membre supra, membre inf et travaille du corps dans l'espace, mais il y a aussi deux choses qui ont changé Cristiano Ronaldo. Cette petite anecdote, je la trouve hyper intéressante. Je vous ramène dans les années 2000-90, où à l'époque, la notion de préparation physique et d'hygiène de vie du sportif n'en était qu'à ses balbutiements. À l'époque, un footballeur, principalement, il était payé pour jouer au foot. C'était le début du football professionnel tel qu'on le connaît aujourd'hui, et globalement, ce qui faisait que les mecs arrivaient à percer, c'est parce qu'ils étaient bons dans le foot. Ronaldo sort de son club du Portugal, jouant arrivé à Manchester United. Et vous connaissez le football anglais, c'est un football qui est rugueux, c'est un football qui est physique. Et le jeune Cristiano Ronaldo, quand il arrive, il a beau être rapide, il a beau être technique, malheureusement, il se fait secouer. Et à ce moment-là, il prend l'initiative et il en parle à Wayne Rooney justement de vouloir prendre de la masse. On en est au début de la compréhension du sport et de l'entraînement. Et prendre de la masse pour Cristiano Ronaldo, ça ressemble principalement à aller bouffer du McDo à la sortie des entraînements. Alors, on comprend que sur le papier, c'est pas complètement couillon. Pour prendre du poids, y compris de la masse musculaire, il faut être en léger surplus calorique. Et Cristiano Ronaldo, bon, bah, il va chercher son surplus calorique chez McDo. C'est pas l'idéal parce qu'on le sait aujourd'hui que la bouffe ultra transformée peut avoir parfois des composantes micro-inflammatoires au niveau de notre barrière intestinale et peut nous générer ce qu'on appelle une inflammation à bas bruit. Bref, Ronaldo, il mange un peu plus et il s'entraîne un peu plus. Et c'est là où il va, à mon sens, vraiment switcher. Il va voir les résultats de cette prise de masse, il va voir les résultats de cet entraînement à une époque où la préparation physique n'était pas vraiment inclus dans le club. C'était vraiment de l'extra sportif. Et ça, Ronaldo va le garder toute sa vie. Même encore aujourd'hui, à l'heure du football professionnel, s'il y a bien un truc qui ressort énormément de tous les témoignages des coéquipiers de Cristiano Ronaldo, c'est que ce qu'il fait en club ne lui suffit pas. Il a gardé ses habitudes de son jeune âge, où il fait l'extra mile, il fait le truc en plus, il s'entraîne encore plus. Beaucoup de rumeurs circulent parfois qui peuvent être alimentées par Ronaldo, mais j'ai vu beaucoup de choses à base de 5 à 6 entraînements par jour. Très honnêtement, j'ai du mal à le croire. Par contre, de ce qui ressort, c'est beaucoup d'entraînements cardio et des sports assez variés. De la course à pied, du vélo, du vélo à la maison, beaucoup, et de la natation. Je pense qu'il y a un peu de vrai là-dessus. Je ne pense pas qu'il fasse 100% de ces entraînements. Aujourd'hui, des sportifs de haut niveau, ce qui ressort, c'est 3 entraînements par jour. Là, de ce que j'ai vu, c'est... 5 à 6 entraînements par jour, en plus de 3 à 4 entraînements par jour, ce qui nous montrait quasiment à 8-9, pour pouvoir inclure la marche, le vélo et la natation. Je ne sais pas ce qui est de vrai du faux, mais je pense que ce n'est pas complètement con de dire que probablement que Ronaldo s'entraîne entre 4 et 6 à 7 fois par jour. Et très honnêtement, pour pouvoir faire ça, c'est un mental d'acier, évidemment, se rappeler bah, qu'il est payé pour ça. Et il est très bien payé pour ça, mais ça suffit pas, hein, tous les footballeurs ne font pas ça. Je pense que là-dedans, Cristiano Ronaldo, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est une machine de guerre. Il y a un truc qu'il fait pour entretenir cette machine de guerre, c'est qu'il dort, et qu'il dort beaucoup. Là aussi, pas mal de versions diverses sur comment il dort, Cristiano Ronaldo. Certains disent qu'il fait du sommeil polyphasique. Je vous invite à regarder cette vidéo de Sirius North qui nous explique ce que c'est le sommeil polyphasique, mais voici ce que vous pouvez en retenir. Aujourd'hui, globalement, la plupart des gens dorment un seul bloc entre 6 et 9 heures par nuit. Les recommandations seraient de dormir entre 7 et 9 heures et globalement, si on prend une courbe de Gauss, 7 à 9 heures, c'est le pic et les recommandations, c'est d'être à 8 heures par nuit. Pour les sportifs de haut niveau, pour le repos du système nerveux central et pour pouvoir permettre une bonne adaptation de leur corps, on monte quasiment à des recommandations de 10 à 11 heures par nuit pour être capable d'avoir un bon métabolisme, de pouvoir en gérer leurs calories et de faire en sorte d'avoir un bon équilibre hormonal au niveau de leurs dépenses énergétiques qui est très élevé. Évidemment, si on s'entraîne comme Ronaldo, quasiment six fois par jour, bah, il faut beaucoup bouffer et il faut beaucoup dormir. Mais pour la plupart des gens, rester à 8 heures par nuit. Le sommeil polyphasique, c'est de dire en fait ce qu'on veut, c'est basé sur un principe qui a l'air un peu bullshit de dire euh, on gagne de l'optimisation du temps, mais en fait en réalité, bah, on a des vraies connaissances qui seraient basées depuis plus longtemps que ça, notamment euh, sur des anciennes habitudes de vie où quand on dort, on dort pas que de sommeil profond, on a du sommeil plus léger sur lequel on a une moins bonne récupération. Le sommeil polyphasique a différentes modalités et qui nous permettrait de découper ce temps de nuit pour pouvoir atteindre directement le sommeil profond. Bon, il n'y a pas vraiment de consensus sur est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Une fois de plus, je vous déconseille de vous lancer là-dessus, surtout si vous avez un déficit de sommeil. On a quelques datas qui nous permettraient de dire chez certaines personnes, ça permettrait d'atteindre plus rapidement le sommeil profond. Et si ça leur correspond bien, ils peuvent y aller. Ou plutôt, si jamais ils ont des métiers comme les métiers des gens qui travaillent de nuit, bah, pour pouvoir avoir le volume de sommeil adapté à leurs besoins. Bref, Cristiano Ronaldo, il semblerait qu'il ait un peu un mélange des deux. Il se fait une vraie nuit de 8 heures, mais qu'en plus de ça, il se fait quasiment 3 siestes à 4 siestes par jour. Et donc là, des siestes de 20 minutes, ce qui se rapprocherait du sommeil polyphasique. Dans ses routines, de ce qu'on retrouve, c'est qu'il se réveille quand même tôt le matin vers 7h où il ferait de l'étirement passif. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est, ce serait à voir, parce que là de plus on a des images de lui qui font des étirements passifs. Il faisait aussi des étirements passifs en début d'échauffement de la vidéo Sky Sport. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il fait toujours quand je vous invite à regarder cette vidéo avec Aurélien Broussal sur l'intérêt des étirements passifs avant le sport. En tout cas, il semblerait que le matin, il attaque directement par une activité physique de basse intensité, marche, vélo. Ensuite, il bouffe et ensuite il redort. Et il fait ça trois fois d'affilée. C'est-à-dire qu'ensuite il se réveille sur les coups de 7-8 heures du matin, là il s'entraîne à nouveau, cette fois plutôt sur des exercices de force où il va mettre du lourd, il bouffe et il se rendort. Il se revient à 11h, heures, 10h heures du matin, et là il s'entraîne à nouveau. Là ça dépend, soit il va faire de la mobilité, soit il va de nouveau faire de la basse intensité, soit parfois il va faire des exercices un peu plus adaptés au drift de le foot, et là il se rendort pour aller ensuite à l'entraînement l'après-midi. Il semblerait qu'il se fasse encore un dernier entraînement le soir avant de se coucher. C'est quand même une hygiène de vie assez drastique. Et c'est là où on en vient à la conclusion de ma vidéo. Alors, comme promis en début de vidéo, il est temps pour moi de vous parler de mon partenaire du jour, Wopilo. Alors ça fait trois ans que je bosse en collaboration avec eux et je dors évidemment avec eux et franchement, ça a énormément amélioré la qualité de mes nuits. Wopilo, c'est une marque innovante et française qui propose des oreillers ergonomiques, du linge de lit, des couettes et des surmatelas. Wopilo prend soin de vos nuits et de mes nuits en vous proposant notamment des oreillers 100% personnalisables. Et ouais, vous le comprenez bien, en fait, pour pouvoir bien dormir, l'un des outils majeurs, c'est le confort. Il faut vous sentir confortable pour pouvoir bien dormir. Et comme nous ne sommes pas tous faits pareil, je pense qu'il est pertinent de pouvoir tester quel oreiller est fait pour vous. Et pour ça, on a coécrit avec Wopilo. Un quiz, le lien est directement dans la description et sera épinglé dans les top commentaires. En répondant à ce quiz, vous allez pouvoir savoir quel oreiller est le plus indiqué pour vous en fonction de vos habitudes, de votre morphologie et de vos besoins. En fait, si vous comprenez bien, la qualité de nuit est hyper importante dans un cadre de récupération. Je dois bien m'entraîner, bien bouffer et bien dormir, à la fois pour éviter les blessures, mais pour éviter aussi des problématiques plus chiantes liées à la restriction de sommeil, comme l'irritabilité, la perte de la mémoire et la diminution des performances sportives et sexuelles. Qu'est-ce qu'on retient de Cristiano Ronaldo On retient qu'il a un but très très fort. Il sait depuis le départ d'où il vient et où il veut aller. C'est un travailleur, hors pair. Il a pris des informations issues de la science, il les a adaptées à son propre physique, à sa propre volonté, pour essayer de trouver un équilibre qui lui convienne. Et Cristiano Ronaldo, ce qu'il fait énormément, c'est de passer beaucoup de temps en famille. C'est assez paradoxal, parce qu'aujourd'hui, où on parle de toujours plus de productivité, on a parfois tendance à oublier probablement ce qui est le plus important chez nous, les gens qu'on aime et les gens qui nous entourent. Quand on écoute Ronaldo, on comprend qu'en fait, c'est presque un sacrifice qu'il accepte de faire pour sa forme, pour son physique, pour au contraire avoir des vrais moments qualitatifs de famille. Et probablement, c'est ce que je vous conseille de garder en tête aujourd'hui. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir l'hygiène de Cristiano Ronaldo. Je vous souhaite d'avoir une forme physique la plus optimale possible, mais dans une notion d'équilibre. Et votre équilibre, il vous est propre. Prenons ce que la science nous apporte en effet, d'avoir un bon équilibre entre vos temps d'entraînement par rapport à vos envies et à vos besoins. Si vous pouvez y mettre du travail de force, oui, c'est mieux. Trouvez un bon équilibre dans votre alimentation. Je ne peux pas vous dire d'optimiser tous vos repas. Certains d'entre vous, ils vont complètement vriller, ils ne vont jamais réussir à tenir. Mais je pense que ce n'est pas complètement con d'avoir une alimentation qui soit la moins transformée possible, avec des sources de protéines qui soient variées et avoir un apport en fibres et en légumineuses qui soit conséquent et évidemment de dormir un nombre d'heures suffisamment en fonction de vos besoins. Et si jamais vous n'atteignez pas vos besoins, vous pouvez en effet combiner avec des siestes. Moi personnellement, je fais des siestes dès que j'en ai la possibilité, à savoir une à deux fois par semaine, après le déjeuner, pendant un quart d'heure, vingt minutes. Tout ça pour pouvoir se recentrer sur ce qui vous motive le plus. Personnellement, je rejoins 100% Cristiano Ronaldo. Si je travaille beaucoup, si j'entretiens mon corps, c'est pour être un bon père pour mes enfants. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était plus longue que prévu, mais en même temps Cristiano Ronaldo c'est hyper intéressant parce qu'on a plein de data sur lui, tout et pas toujours à prendre au pied de la lettre, mais euh, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre son corps et peut-être même le vôtre. Si jamais vous voulez que j'analyse d'autres sportifs, faites-vous plaisir dans les commentaires. Personnellement, j'ai une passion pour le MMA et pour le rugby, donc je pourrais peut-être agrémenter ces vidéos d'un œil un peu plus stratégique que j'ai pas énormément dans le football. Merci énormément à Wopilo de nous avoir suivis. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder cette vidéo sur pourquoi vous êtes toujours fatigué. Et puis vous pouvez regarder cette vidéo sur quelle position pour bien dormir. Allez, à la prochaine, ciao.